Prétise, alors ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo et ça fait super plaisir de me mettre devant la caméra. Désolée si je regarde le retour, mais voilà, j'ai perdu un peu mes réflexes, je pense, durant ce mois où j'ai été absente. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo 2 en 1, je vais vous faire un blabla, mais comme juste après je dois sortir, je vais en même temps me maquiller. Vous verrez un petit peu le make-up que je fais, le make-up fétiche que je fais en ce moment. Et voilà, sauf pour le rouge à lèvres où j'en change au gré de mes humeurs, mais pour les yeux en ce moment c'est essentiellement ça que je fais. La dernière vidéo que je vous ai mise en ligne, c'était une vidéo du vlog de la sortie de presse qu'on avait fait dans le cadre du salon Mode Addict. Et je devais d'ailleurs vous faire un vlog que j'ai filmé mais que je n'ai pas monté parce que plein de choses. Voilà, je vais y venir au moment venu. Et donc je vais vous mettre dans la fiche, qui est ici ou ici, je ne me rappelle jamais, dans la fiche. Je vais vous mettre le vlog que Fédentelle a fait, Joanie du blog Fédentelle a fait, parce qu'on a passé la journée ensemble, donc c'est la même chose. Et j'avoue que depuis le temps, j'ai pas spécialement envie de revenir là-dessus et vous faire ce montage-là, j'en suis désolée. J'avais dit que je le ferais, je l'ai pas fait. Ensuite, voilà, ça fait un mois que j'ai pas tourné, pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est que... La première raison, c'est que dans quelques temps, je vais plus avoir mon boulot, voilà, hein. Des choses annexes toujours concernant mon boulot qui font que j'avais pas envie de tourner, ça m'a pas donné le moral et j'avais pas envie de, voilà, de faire l'effort d'avoir l'air joyeuse alors que j'ai, foncièrement je l'étais pas, voilà. Et ensuite, donc je vais pas m'étendre dessus. La deuxième chose, c'est que, j'aurais plus de boulot d'ici le mois d'août. Pour l'instant, j'ai toujours mon travail d'ici le mois d'août, mais par la force des choses, mon contrat, parce que j'étais en CDD, mon CDD arrive à terme, et finalement, ils vont pas pouvoir continuer à bosser avec moi. Alors, je veux pas m'étendre sur le sujet, je vais pas vous expliquer pourquoi du comment, mais c'est... Voilà, il n'y a aucun souci entre nous, mais les choses font que, voilà... Comment dire ça? Les circonstances font qu'ils peuvent plus... ils n'ont plus les moyens de m'engager parce que je suis dans une association. Et donc voilà, il y a plusieurs choses qui font qu'ils n'ont plus les moyens de m'engager à long terme. Voilà. J'ai un nouveau fond de teint, en fait. Donc c'est le Clinique. Le anti-blémish solution. Je suis mitigée par rapport à ce fond de teint. J'ai la teinte 05 fraîche beige. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop rosé pour ma carnation. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. Mais voilà, je l'ai eu avec moins 20% chez Mado. Et donc, comme j'avais fini mon velvet de chez Chanel, je me suis dit pourquoi pas essayer celui-là. Mais je suis pas convaincue. Voilà, la palette de chez Chanel était mat, mais il faisait un fini plus naturel et celui-là fait un fini un peu plus fake que j'apprécie pas forcément. Pour en revenir à nos moutons, voilà, j'ai plus de boulot d'ici le mois d'août. Et ensuite, j'ai retrouvé la motivation parce que en fait je planche sur d'autres projets parce que voilà, je me suis un peu refermée sur moi-même et je me suis morfondue. Je sais pas si ça se dit. J'étais en train de me morfondre pendant un petit moment et quand j'ai eu enfin fini, voilà, j'ai d'autres projets en tête et ça m'a remotivée. Sauf que j'ai un souci, j'ai mal au poignet en fait, j'ai mal ici et après des fois ça me prend tout le bras et donc je peux plus travailler, je peux plus monter, plus rien faire. Donc là j'ai décidé de ménager mon bras le plus possible, c'est-à-dire je fais le moins de montage possible. Là c'est pour ça que je commence par vous faire une vidéo blabla. Comme ça je ne ferai pas trop de montage et je ne me ferai pas trop mal au bras. Mais demain, je dois passer une échographie pour voir ce que j'ai, si c'est une tendinite ou si c'est le canal carpien. Et en fonction, on verra de la suite des événements. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, c'est un maquillage, en ce moment, je combine sur les yeux, je combine la Meet Matte Nude, la Semi Sweet et la Naked. Voilà, hein, j'aime bien faire simple. Et donc je combine ces trois palettes là en ce moment. Donc la Naked,
C'est et pour faire mes sourcils avec le... Ouh, pardon. Et pour faire mes sourcils avec le fard Undone, enfin la Naked Basics 2, le fard Undone pour faire mes sourcils et le Skimp pour, bah pour mon rat de sourcils. Parce qu'il est hyper lumineux, et mais tout en étant quand même assez discret. Alors, où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Donc, je commence toujours par en mettre ici. Voilà. Comme ça, ça m'aide à dégrader mes fards à paupières. Alors, je veux pas mettre de base parce que les produits tiennent super bien entre eux. Donc voilà. Puis, j'ai pas envie de mettre de base. Donc, si vous voulez que je vous refasse après, enfin, si le make-up vous plaît, vous voulez que je vous le refasse en tuto, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était la première, première nouvelle. Alors comme je vous dis, j'ai des projets professionnels et je vous tiendrai au courant au moment où ça se fera, hein, vous inquiétez pas. Alors d'ailleurs on parle, enfin je reviens sur le make-up parce que comme là je suis en train de maquiller les yeux, j'y pense. J'ai vu une technique pour se faire un cut crease avec une cuillère à soupe. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais si ça vous intéresse que je le teste, bah dites-le moi parce que je pense que ça pourrait être une vidéo fun et je pense que voilà, le tester en vidéo c'est plus sympa que juste de le faire moi de mon côté. Donc si ça vous plaît, mettez-moi un commentaire dans la barre d'infos et puis on verra ce qu'on fera. Voilà. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que je vais partir en métropole pour le boulot. Alors en gros je bosse pour une compagnie et on va faire le festival off d'Avignon et je vais partir du 27 juin au 19 août. Donc du 27 juin au 30 juillet, ça va être pour le boulot. Et ensuite, bah, j'aurai quelques jours de vacances, une quinzaine de jours. Donc j'ai énormément hâte. Là, on a préparé le festival, donc j'avais plein de petites choses à faire pour les inscriptions et tout ça, faire l'affiche. Enfin bref, je vais pas vous expliquer mon boulot en large. Et donc c'est confirmé, on part... On part bientôt, donc le 27 juin, donc c'est dans un peu plus d'un mois. Et je suis hyper hyper excitée parce qu'en plus ce sera les soldes, hein, on garde les pieds sur terre, la fille qui pense aux soldes. Donc bah, j'ai hâte de pouvoir faire de vrais soldes parce que à La Réunion, enfin je trouve qu'au niveau des soldes pour le maquillage, voilà, c'est pas très 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 intéressant. Et d'ailleurs, curieuse que je suis partie voir sur XL Airways, parce qu'on va prendre XL Airways, hein, je vais rien vous cacher. On va prendre XL Airways et on va... Enfin, j'ai regardé le catalogue du Duty Free dans l'avion et j'ai déjà repéré deux produits. Voilà, la fille qui perd pas son temps. Hein, donc voilà, j'ai déjà repéré deux produits que j'avais très très envie de tester. Donc c'est deux produits spéciaux du Duty Free. Alors, est-ce que c'est vraiment spécial du Duty Free ou on peut les trouver dans le commerce? Donc c'est des rouges à lèvres Rimmel. Alors Rimmel, c'est sûr que c'est une marque qu'on trouve pas à La Réunion. Et ensuite, il y a une palette L'Oréal. Donc je sais pas du tout, enfin je crois que c'est la nude, donc je sais pas du tout si elle est encore commercialisée, parce que je sais qu'elle a été commercialisée hein, dans la grande distribution en métropole. À La Réunion, elle n'est jamais arrivée. Hein, malheureusement, comme d'habitude. Donc bah, je voulais. Voilà, j'ai déjà repéré ces deux produits plutôt. Et bah, j'ai hâte de les tester. Donc vous comprenez que si je vais acheter ces produits dans l'avion, ça va déjà alléger ma trousse make-up à l'aller. Hein, parce que ma trousse make-up au retour va être énorme. D'ailleurs, dites-moi si vous pensez, vous avez envie que je vous fasse une vidéo haul. De tous les produits que j'aurai acheté en métropole, parce que je vais me faire plaisir, ça c'est sûr, aussi bien au niveau des fringues qu'au niveau du maquillage. Donc bah, dites-moi si vous pensez être intéressé pour une vidéo haul. Alors je sais pas si je vous la filmerai là-bas ou en revenant ici, enfin je sais pas encore comment je vais m'organiser parce que bon, voilà, j'ai pas vraiment réfléchi à ça pour l'instant. Et bah voilà, ce sera en fonction aussi de ce que vous me direz, pareil, en commentaire, dites-le moi. Donc j'ai très très hâte d'aller en métropole.
C'est la dernière fois que j'y suis allée, j'avais 15 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, j'avais 15 ans, donc ça fait... Oula, ça commence à faire longtemps. Parce que j'en ai 27. Donc voilà, ça fait très très longtemps que je n'y suis pas allée. Et je suis super contente parce que je vais voir des potes, je vais voir de la famille. Avec un peu de chance, je vais pouvoir voir Noémie de la chaîne de Mise au Curry Girl. Je n'arrête pas de vous en parler, donc voilà. Je pense qu'on essaiera de se programmer des vidéos en commun aussi. Parce que bah voilà, j'ai vraiment très très envie de la rencontrer en vrai. On s'adore, on s'entend super bien, mais ce serait bien de peut-être voilà, concrétiser cette amitié qu'on a depuis plus d'un an maintenant. Donc voilà, j'ai hâte de la rencontrer. Ouais, vous voyez, en fait, pour les yeux, je fais comme un cas de crise, mais c'est pas vraiment un cas de crise non plus. En fait, j'accentue le creux de mon œil. Et donc, pour vraiment faire une ligne, j'utilise un 2, 3, j'ai retrouvé mon mot, un pinceau plat, biseauté. Vraiment, voilà, n'en mettre que dans le creux et ensuite j'estompe et je vais remettre une dernière ligne que j'estomperai mais moins cette fois. Voilà. Et en ce moment, j'adore faire ce maquillage. Que ça soit la journée, le soir. Bref, voilà, je l'aime énormément. C'est pas un truc de ouf non plus, mais c'est ce que j'aime faire en ce moment, donc voilà. D'ailleurs, je voulais vous demander, vu que je pars en métropole et que je suis une jeune biche qui... Voilà, enfin, quand j'y suis allée, j'étais avec mes parents. Et là, je vais être autonome. J'aimerais que vous me donniez des adresses, que ce soit sur Avignon, sur Paris. Voilà, donnez-moi des adresses que j'aille faire un tour dans les bons coins que vous pouvez me conseiller. Voilà. Ça me ferait très très plaisir de découvrir les coins que voilà qui vous plaisent. Et donc je disais, ça me ferait super plaisir de découvrir les bons coins qui vous plaisent. Parce que je suis pas forcément au courant de tous les bons endroits. Alors il y a des endroits où je sais où je veux aller, hein, j'ai déjà réfléchi. Mais je suis open pour avoir d'autres idées. Alors je suis désolée, hein, quand je fais mon coin là, j'oublie. J'oublie de parler, j'en suis vraiment désolée. Alors je termine et je reviens tout de suite. Oh, mon cerveau sera disponible. Voilà, j'ai fini. Alors mince, j'ai pas mis l'anti-cerne, mais oui, c'est vrai que celui-là, je mets pas l'anti-cerne tout de suite parce que je fais des chutes et ça m'ennuie profondément. Ah, je suis plutôt du genre à mettre quand même l'anticerne d'abord. Mais réfléchir et vous parler en même temps. Enfin, me maquiller et vous parler en même temps. Là, j'ai eu un peu de mal aujourd'hui. Je suis désolée. Hop. Voilà. Mon anticerne, c'est toujours le même. Hein. C'est le... l'accord parfait de chez L'Oréal. Je ne jure que par lui. Ah oui, bah tiens, les bonnes adresses, mais si vous avez des produits aussi à me conseiller, dites-le moi, je suis preneuse, parce que voilà, on est assez limité au niveau des marques à La Réunion, donc si vous avez des bons petits produits à me conseiller, des marques qu'on ne trouve pas ici, alors ici on trouve du L'Oréal, mais pas tout, hein, du Maybelline, mais
pas grand chose non plus. On a un peu d'essence. Non, pas essence, j'ai n'importe quoi. Oh, je me rappelle plus cette marque. On a du Bel, voilà, dans les parapharmacies. Mais sinon, dans le reste, bah voilà, on a pas grand chose, hormis les marques. De luxe, si on peut dire ça comme ça. Alors, les marques de luxe, on n'a pas grand chose. Et encore, enfin, on n'a même pas de Too Faced, de Urban Decay ou quoi que ce soit. Enfin, c'est, je trouve ça. Ça me déprime parce que c'est des produits qui sont géniaux, donc je comprends pas pourquoi on les a pas ici. Enfin, je sais très bien pourquoi on les a pas ici, mais ça m'embête quand même, hein. Alors oui, je travaille beaucoup au doigt en ce moment, j'ai pas trop envie d'utiliser d'éponge ou de pinceau, alors que d'habitude je préfère, hein, quand même utiliser l'éponge ou le pinceau, mais en ce moment j'ai pas envie, mais alors pas du tout, hormis pour la poudre, hein, parce que la poudre appliquée au doigt, à personne qui arrive à appliquer de la poudre et que ça fasse joli au doigt, vous me le dites, hein, que je regarde sa vidéo, parce que je vais aller sûrement faire un tour au Victoria's Secret de l'aéroport. Je m'en rappelle si Charles de Gaulle ou l'autre, mais c'est pas grave. Ah, hop, je mets beaucoup de poudre sous les yeux pour l'instant, je démaquillerai après. Hop, parce que je veux quand même que mon anti-cerne tienne. Hop. Voilà. Alors, d'habitude j'adore cette poudre, mais avec ce fond de teint, mais ça fait trop fake. Je trouve ça. Enfin, ça m'ennuie énormément parce que j'adore cette poudre. C'est ma poudre préférée, c'est la Criolane. J'en ai jamais changé. Enfin, j'ai pris celle de ELF, mais voilà, dès que j'ai eu la Criolane, j'en ai pas changé. Et ça m'ennuie énormément parce que ça matche pas avec ce fond de teint là. Alors, autre chose que je voulais vous annoncer, bah, je voulais pas vous l'annoncer maintenant, mais je vous en parlais quand même. Je pense faire un blog parce que j'ai de plus en plus envie de vous parler de plein de choses différentes, mais ça se prête pas forcément au format vidéo. Donc je pense que dans l'année, je vais vous sortir un blog. Alors, j'ai commencé à bosser dessus. Mais par la force des choses, j'ai dû arrêter. Mais voilà, c'est quasiment sûr que je vais vous sortir un blog. Alors, au plus tôt sera le mieux, mais je pense plutôt que ça, même, ça sera pour la fin de l'année. Voire peut-être même début de l'année prochaine. Enfin, tout va se décider après que j'aurai plus mon boulot actuel. Voilà, il y a plein de, enfin, j'ai deux projets et selon lequel, enfin, selon le projet qui sera mis en route, j'aurai le blog plus ou moins rapidement. Voilà, je peux pas être plus, je peux pas vous donner de date, j'ai pas envie de vous faire de faux espoirs parce que à la base je devais vous le sortir en février, hein. Voilà, mais les choses ont fait que je n'ai pas pu vous le sortir à ce moment-là. Et donc je suis un petit peu, beaucoup même ennuyée parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Et voilà, pour l'instant je peux pas le faire. Voilà. Pour le blush, j'ai envie d'utiliser la How About Them Apple de The Balm. Je vais prendre le Cobbler, c'est mon préféré. C'est un rouge qui est très rouge comme ça, mais qui se travaille hyper bien. Là, ça donne vraiment un aspect. Bon, alors, vous passerez mes, comment dire, ma peau qui est un peu dégueulasse en ce moment parce que ben, je viens d'avoir mes ragnagnas. Donc bah voilà, ma peau elle a morflé, mes hormones se sont lâchées. Vous voyez, j'adore, ça fait un petit rose
Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça fait un petit rose très naturel, vraiment très 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 joli. Alors d'habitude, il faut savoir que, enfin je l'ai peut-être déjà dit, mais quand je me maquille pour tourner, je force quand même le trait. Là je vais rester assez soft parce que je sors et je veux pas ressembler à... Je sais pas. Je veux pas ressembler à ce que j'ai pas envie de ressembler. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, l'highlighter. Alors pareil pour les highlighters, si vous en avez à me conseiller, parce que pour l'instant j'ai uniquement celui de Inglot, que j'adore, mais j'ai envie de quelque chose de différent. Alors je pense que j'essayerai les autres hein, de chez Inglot, mais voilà, j'ai envie de tester d'autres marques, j'ai envie de tester une texture un peu crème aussi, parce que les textures crème, enfin déjà pour les blushs j'adore les textures crème parce que ça fait extrêmement naturel, plus que le blush poudre. Donc j'ai très 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 envie de tester un highlighter crème. Donc si vous en avez en tête, pareil, j'attends vos conseils. D'ailleurs en parlant de... enfin parlant de nouveautés, j'ai acheté la palette de Sandrea. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un make-up avec? Parce que je me suis déjà maquillée quand même pas mal de fois avec. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse un make-up? Alors les swatchs peut-être pas, parce que je pense que voilà, il y a eu assez de vidéos swatch comme ça, elle en a fait aussi. Donc peut-être un make-up à partir de cette palette, dites-le moi. Et j'ai une autre nouveauté capillaire, où est-ce que je l'ai mise? Donc c'est le raviveur de couleur de chez Schwarzkopf. Ça adapte à toutes les colorations, donc j'ai pris le rouge parce que en fait, là vous voyez pas, c'est assez, enfin mon cuivré est très cuivré sur les pointes. Mais quand j'ai fait la couleur, j'ai pris, enfin j'ai voulu faire un cuivré, mais avec beaucoup de rouge dedans parce que j'avais envie de, voilà, de changer un peu ma couleur. Et donc je voulais un cuivré rouge. Et malheureusement le rouge c'est ce qui part en premier. Et donc le cuivré reste, il est très joli, mais j'ai plus cette couleur que j'avais quand je venais de me faire la couleur. Donc j'ai pris ces mousses pour raviver la couleur. Non, c'est 3 minutes. Mais j'ai regardé l'emploi du temps. Le mode d'emploi. On peut le mettre beaucoup plus longtemps si on veut des reflets plus prononcés. Donc dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse un test en vidéo. Voilà. Pareil dans les commentaires. Donc un petit test vidéo. Ensuite, pour les nouveautés, c'est tout, je pense. Je pensais aussi, enfin voilà, je vais vous parler un petit peu des vidéos que je vais vous faire. Je pensais vous faire une vidéo sur The Original Shop parce que j'adore leurs produits. Ça fait un petit moment que je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo et je me suis dit que je vais attendre d'avoir quelques produits. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai déjà pas mal de produits de chez eux parce que c'est une marque que j'adore. Voilà, donc ça, ce sera une vidéo à venir que je vais faire. C'est pas que je vous demande pas votre avis pour celle-là, mais voilà, j'ai très envie de vous la faire, c'est une marque que j'adore. C'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, mais j'adore cette marque, c'est vraiment une de mes marques préférées depuis un petit moment. Enfin, c'est pas une marque, c'est un concept store. Ah oui, je fais des gros pâtés, mais je vais estomper après. C'est un concept store qui propose des produits, mais juste géniaux. Voilà, enfin je vais pas vous en parler maintenant parce que sinon ça sert à quoi que je vous fasse une vidéo après. Mais ils ont pas mal de marques assez sympas. Ils ont des bombes pour le bain, où j'ai hâte de changer de baignoire pour pouvoir profiter de ces petites bombes pour le bain. Ensuite ils ont, comment on appelle ça? Je me rappelle plus. Ils ont des baumes à lèvres qu'on retrouve sur Azos. Enfin voilà, ils ont plein de marques super chouettes qu'on ne retrouve pas à La Réunion à part chez eux. Donc c'est super cool. Enfin j'ai acheté énormément de choses chez eux et puis voilà, je vous en ferai une vidéo. Enfin voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai fini le make-up, je vais faire les lèvres, donc je vais arrêter de parler. Parce que de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai... Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Ah bah non, j'ai pas fini les yeux, je suis bête. J'ai pas mis le mascara.
C'est un mascara de chez Makeup Forever là que j'utilise. Sa brosse est énorme. Enfin, vous voyez par rapport à mon œil, enfin, c'est énorme. Et je pensais que je n'aimerais pas du tout, mais en fait j'adore cette brosse. Parce que les gros picots permettent, enfin la base ici qui est plus grosse, permet quand même d'attraper les cils qui sont à l'extrême, vers l'extérieur de l'œil. Et les tout petits, enfin l'embout conique, qui est beaucoup plus fin, permet de bien attraper les cils au niveau de l'intérieur. Donc c'est super, enfin... J'aime énormément, voilà. Hein. J'adore ce mascara. J'ai pas d'autre façon de le dire, j'adore ce mascara. Alors je sais pas si je le rachèterai, parce que là en fait je l'ai eu dans un kit où en fait il y avait un eyeliner en full size. Donc je suis pas fan parce que c'est un effet vinyle et je préfère les effets mat. Voilà, bêtement. C'est pas mon effet préféré au niveau du fini. Mais c'est un mascara qui tient quand même, enfin c'est un eyeliner qui tient quand même très très bien. Ensuite il y avait le mini mascara, un mini crayon à lèvres, un mini primer que d'ailleurs j'ai mis ici. Et ensuite il y avait aussi un mini crayon à lèvres, mais je crois que j'ai déjà dit crayon à lèvres. Au mieux que je mette mon crayon de chez... que je vais pas mettre en fait parce que j'ai pas pris mon crayon, donc j'irai le chercher après, là j'ai un peu la flemme. Voilà, hop. Mascara, quand je discute, j'ai toujours tendance à oublier d'en mettre. Donc je vais enfin mettre les lèvres. Et j'ai pris alors, ce produit-ci de chez Makeup Forever. Donc c'est le Aqua Rouge. Alors, j'ai craqué sur l'Aqua Rouge parce que Elsa de la chaîne Elsa Makeup. Je me rappelle plus le nom de sa chaîne, c'est ouf. Ne jure que par ces rouges là en liquide, elle les trouve magnifiques. Mais je sais pas si c'est la couleur ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il a tendance à très mal s'estomper. Alors oui, il est sans transfert, mais dès que les lèvres sont mouillées, ça transfère. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Enfin, quand je bois ou sur un verre, j'ai une trace quand même. Et mais s'estompe très très mal en fin de soirée. Ici c'est un peu effrité, enfin je sais pas, est-ce que j'en applique trop, je ne sais pas. Si vous avez des astuces, dites-le moi, ou est-ce que c'est dû à la couleur, donc c'est le 6. Alors il fait rouge brique comme ça, mais sur les lèvres il fait très très rouge, et là j'ai envie de très très rouge. Donc bon, je vais finir ce blabla vlog. J'aurai sûrement des petits morceaux à couper. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vous promets pas une régularité dans les vidéos, mais je vais quand même essayer de faire plus que... Enfin, j'essaie de faire moins long que la période qui s'est déjà écoulée. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous dis merci d'être resté sur ma chaîne, parce que j'ai pas perdu d'abonnés, j'en ai même gagné, donc merci, merci, merci. Et puis à très vite pour toutes les autres vidéos dont je vous ai parlé, et n'hésitez pas, voilà, à me poser des questions, sauf sur mon boulot, parce que j'ai pas spécialement envie, voilà, de m'étendre sur le sujet. Mais n'hésitez pas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, restez abonné si vous l'êtes, et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.